Bonjour, donc bienvenue à la visite du 9 rue Roger Bacon. Donc cet immeuble-là, années 50 environ. On est à côté de la place Porte-Maillot, pardon. Et en parallèle à Boulevard Perret. Donc pour entrer, on a un premier sas, donc un code. Et on arrive directement donc dans les halls d'entrée. Très propre, bien tenu. On a donc un ascenseur qui est récent, qui est assez carré, assez facile. Et là donc on va se rendre au 4e étage. Donc nous voici au 4e étage. Donc, les parties communes ont été rénovées. On peut voir qu'elles sont très propres. Ça semble calme également. Donc on a une entrée assez vaste avec pas mal de placards. Donc on a un premier ici. Étagère. À côté de la porte d'entrée, on a les placards là qui contiennent plutôt ce qui est disjoncteur. Oui, ça a été refait. Cette entrée dessert donc par ici directement le séjour, donc qui est à l'angle du bâtiment. On a donc deux fenêtres. Toutes les fenêtres comportent des volets. Vous avez la fibre optique qui est déjà installée. Tout ce qui est chauffage et eau chaude, c'est collectif, donc compris dans le loyer. Et voilà, donc on est vraiment sur l'angle. Fenêtre simple vitrage métallique. Donc par là-bas, ça sera l'espace des chambres. Mais juste avant, on aura la cuisine attenante au séjour. Donc elle est légèrement aménagée, mais il va falloir rajouter tous les électroménagers. Donc là, vous pouvez rajouter une machine. Là-bas également, il y a un autre branchement. Et ensuite, voilà, il faut organiser un peu tout ça. Espace cuisson également et réfrigérateur qui peut venir par là. Là, c'est à composer. Donc ensuite, couloir des chambres, on a une première chambre à droite qui est la plus petite. Donc là, on est en double vitrage PVC pour la fenêtre, bien plus insonorisée. Voilà. Donc là, il y a les traces de l'ancienne location quand même un petit peu. En face de cette chambre-là, vous trouvez les toilettes. Basique, hein, WC classique, un peu de placard sur le côté. Ensuite, on enchaîne avec la salle d'eau, salle de bain, qui n'est pas très grande, mais qui est propre. On a une vasque avec tiroir, miroir, étagère, et la baignoire avec pardouche. La robinetterie est plutôt récente. Et un chauffage. Et donc au fond, la dernière chambre, donc la plus grande. Bien plus grande que l'autre. Même chose, PVC double vitrage pour les fenêtres. Chauffage collectif. Voilà. Vous avez tout vu pour ce logement, 3 pièces, 9 rue Roger Bacon.